Je crois que le constat est celui qu'on attendait. Peut-être une surprise, le commerce de taille qui a réussi à passer, y compris les magasins d'usine. Donc peut-être qu'on doit en conclure une certaine recomposition dans la manière dont les consommateurs vont demain acheter ou consommer de tous les jours. Certainement un nouveau visage de l'économie par la consommation, puisqu'on le voit, bon, on a continué à fonctionner dans l'agroalimentaire, dans le commerce de détail, y compris le textile. Peut-être une autre façon de consommer au niveau des produits industriels, mais surtout une autre façon d'envisager les stratégies dans les entreprises, parce qu'on voit des gens se regrouper. Peut-être l'instinct grégaire face au guerrier qui veut attaquer le village. Ben, on parle plus à son voisin, on essaye de se rapprocher entre plusieurs entrepreneurs. En résumé, la situation est effectivement descendue en termes de niveau d'activité. Au plus bas, toujours en suspension, peut-être délicat pour certains secteurs, mais je crois qu'on n'ira pas beaucoup plus dans le négatif. Ça ne peut que remonter, mais on a tellement à remonter qu'il faut rester humble si ça doit repartir.